On fait un comité d'orientation annuel de la chaire pendant lequel on réunit tous les fondateurs partenaires, donc la trentaine, pour échanger sur les orientations de la chaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit observer comme pratique de marketing territoire dans le monde, qu'est-ce qu'on doit développer comme recherche, comment on oriente notre formation. Et donc cette année, on le fait ici à la Maison de la Région Sud et la Métropole Nice-Côte d'Azur. C'est plus facile pour tout le monde de venir sur Paris. Enfin, voilà, je suis en contact notamment de plus en plus avec Larry, avec qui on va également commencer à travailler un peu plus. C'est une agence régionale qui a vocation à la fois accompagner l'internationalisation des entreprises de la région sud, également attirer des investissements sur cette région sud. C'est une entité régionale qui peut facilement travailler avec d'autres structures, notamment métropolitaines, je pense à Team Côte d'Azur, je pense à Provence Promotion qui travaille sur ces sujets-là également, mais voilà, avec une dimension régionale aussi intéressante. C'est-à-dire finalement les territoires qui sont plutôt perçus comme des territoires touristiques, mais avec des bonnes qualités de vie, sont des territoires qui vont attirer des investisseurs parce que ces investisseurs veulent y attirer des talents. Je crée une entreprise, mais pour pouvoir recruter des personnes, il faut un joli cadre de vie. Donc c'est vrai que ces atouts touristiques, il faut arriver à les transformer en atouts de qualité de vie, ce qui n'est pas la même chose. Et à partir de là, ça deviendra des atouts importants pour attirer des investisseurs. Voilà, il y a déjà des atouts forts, hein, que ce soit les universités, que ce soit les talents, que ce soit la recherche, l'innovation. Ensuite, voilà, pour moi, sur la région sud, c'est vrai qu'il y a la notion de qualité de vie, mais quand je dis qualité de vie, ce n'est pas le soleil, etc. C'est la qualité des services publics en termes de mobilité, en termes de sécurité, sur des enjeux forts, en fait, qui feront venir ces talents et qui, du coup, feront venir les investisseurs et les entreprises.